Voyons, Majesté, ce qui se passe en Iran depuis quelques mois. Vous avez dénoncé les responsables des émeutes comme étant des marxistes islamiques. Comment peut-on être à la fois marxiste et islamique? Mais c'est eux qui s'appellent comme cela. Ce n'est pas nous qui leur avons donné ce titre. Ce sont eux-mêmes qui s'appellent comme cela. Et justement, c'est exactement la même question que nous nous posons. Comment peut-on être marxiste et religieux en même temps et croire en Dieu, puisque l'un n'y croit pas et l'autre, soi-disant, y croit? C'est quelque chose de... Enfin, une des choses les plus extraordinaires qu'on puisse prétendre. Quelle est l'identité de l'opposition en Iran? Aujourd'hui, c'est la destruction. Aujourd'hui. Détruire, ensuite, évidemment, dans la plupart des cas, comme vos terroristes en Europe, je me demande s'ils savent avec quoi ils veulent remplacer l'ordre existant.